Moi, je clash que je suis qui. Mais c'est mieux de dire aussi ce que tu connais. Les artistes camerounais avaient l'ingratitude. Les artistes camerounais avaient la sorcellerie. Parce qu'il y a des actes qui dépassent même la sorcellerie. C'est-à-dire, Prince Aimé a fait peut-être 17 ans de chômage après Viviane. Aucun artiste camerounais n'a pu dire « Je t'accompagne à un spectacle ». J'ai vu Prince Aimé manger la patate avec le bon François. Parce que lui n'a rien à frapper dans la dent. Parce qu'il n'a rien à mettre sous sa dent. L'on a vu ça, c'est l'âme coulée. Le seul artiste des causes sociales que je respecte au Cameroun. Il a dit Prince Aimé, je te tiens la main. On est parti, premier spectacle où l'on a tient la main de Prince Aimé. On était à Fondjomokwet. On m'a même tapé un poulet. Prince m'a arraché la cuisse. J'ai voulu résembler. Longue a dit, type, laisse. Il ne voit pas. Il prend sans voix. J'ai dit, hey, quelqu'un frappe le poulet sans voir comment. On a laissé. Voilà comment la carrière de Prince Aimé reprend encore goût. Debordo Likumfa tombe sur la chanson de Prince Aimé. Et puis, il veut faire le remix comme d'autres artistes font le remix des autres chansons. Voilà la vraie bordellerie artistique et du Cameroun qui sort. On est en train de vouloir annuler le remix. Un remix qui pouvait même faire renaître Prince Aimé des cendres. Mais Prince Aimé, comme on dit que tu ne vois pas là, tu vois mon type. Tu vois très bien. Donc c'est-à-dire tu connais ce qui se passe. Tu sais dans quel game tu joues. Si tu veux, laisse Debordo Likumfa. Tu t'attaches aux artistes camerounais, c'est ton problème. Mais je veux te dire un truc. Les artistes camerounais soutiennent quelqu'un quand la personne est morte. Parce qu'on va profiter de la veillée, on frappe le café. Tout le monde passe devant les gens. On traîne le bain de foule. On les voit. Ça, c'est ce que les artistes camerounais font. D'autres vont même t'encourager. Dès que tu gagnes la même odeur, on ne va pas venir. On va envoyer la contribution 10 200. Et on va appeler les super consommateurs comme nous. Nous, on va venir taper le café là-bas matin, soir. Et dès qu'on te met au sol, c'est fini. Le soutien que les artistes camerounais veulent te donner là, c'est faux. C'est très faux. On va même faire le remix. On va même démarrer la promotion. Tu vas sourire avec toutes tes dents. Mais tu vas continuer. L'hypocrisie, l'ingratitude, ça va... Ça, n'est-ce pas, on est en train de te poster, tu es comme les héros. Demain, tu seras zéro devant nous, on va voir. Si tu veux, lâche ce que Debordo Likumfa a commencé. C'est que tu vas voir le miracle. Ce que tu vas voir, c'est que les noyaux du bœuf ont vu avant de prendre du poids. Prince Aimé, sois sage. Les seuls artistes que les artistes camerounais peuvent soutenir, c'est quelqu'un comme Grand Bara. Voilà les artistes qu'on soutient au Cameroun. Grand Bara. C'est pour ça que la musique camerounaise est devant la musique sud-africaine. Que quand Grand Bara arrive aux États-Unis, on dit yo man, il est là. Les artistes que les artistes camerounais peuvent soutenir, c'est l'autre ici. Le bâton de manioc a fait quoi? Voilà ce qu'on soutient. Les artistes camerounais. Non, le bâton de manioc même, c'est un comédien. Donc, moi j'apprécie même sa chanson, c'est un très bon comédien. Mais les artistes comme les Nyangonon, après vous allez réclamer même les droits d'auteur. Oh, le ministère ne paye pas les droits d'auteur. Quelqu'un va se lever, rentre à la maison et... On prend les droits d'auteur, on le donne. Vous pensez qu'on ne peut pas prendre ça pour vous donner un rôle? Apprenez à vendre l'art camerounais très cher. Qu'aussi même, quelque part, disait que même au Nigeria, on ne connaît même personne. On ne connaît aucun artiste camerounais en dehors de Stanley Eno. Il a raison. On doit te connaître quand tu dis que je suis fort aux fesses. Les fesses sont montées, les fesses sont descendues. Il a lâché au milieu des noyaux. Oh, machin, truc. Qui va te reconnaître? Qui va te reconnaître? Respectez-vous, mes princes aimés. Comme Malos a dit, ta chanson Viviane a été un hit. Même quand je ne sais pas ce que hit veut dire. Ça a été un hit. Respectez le hit. Respectez Debordo Likumfa. On a joué ça au Cameroun. Laisse les Ivoiriens porter ça sur le plan international. Si tu es sage. Laisse les Ivoiriens porter ça au niveau international. Parce que le remix, quand on dit qu'on va réunir les artistes, on va réunir là. Ça sera très bon. Hein.
mais ça t'amène vers la tombe. Mais ne sois pas pressé, je suis prêt pour la chope. Même si c'est pour creuser la tombe, je suis déjà prêt. Viens le pied-dans ici, viens, je vais le monter. Viens le pied-dans, donc dès que ça se pend, on m'appelle. Je veux creuser la tombe. Parce que les artistes... Oui, mais le pied-dans là, ah, voici ça. Voilà ça. Oh, oh, c'est calé. Non, bon, ça va. Viens le pied-dans, dès que ça fait pas, on m'appelle, je creuse la tombe. Je sécurise la nourriture. Je partage à qui tu veux, à qui je veux. Longueur, longueur, ça peut encore pour tout ce que tu fais pour ceux qui ont besoin de toi. Dès que tu lances, personne ne peut te soutenir. Mais si c'est pour faire la sorcellerie, les gens écrivent. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total. En allant vers la chapelle, numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes mis. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28.